Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le 27e épisode sur Sea of Stars. On avait dû combattre Brugave et Alvina. Même pas sûr de son prénom. Et puis ils ont fait exprès de nous faire perdre du temps pour que les acolytes réveillent l'hôte du conflit. Bah dis donc, il y a beaucoup de ressources ici. Ça va être l'endroit pour prendre des plein de cumulés. Hop là, des nouveaux ennemis. Ça ressemble à rien. Ok, ils sont vulnérables à la lune, le E à rien du tout. Et dès qu'il commence son action de saut, c'est là que t'as pour appuyer. Bon, je survis. Bon, on a le choix entre gauche et droite parce que la porte ici, elle est fermée. On commence toujours à gauche, je sais pas pourquoi. Hey, ça n'a pas marché. Il est pas mort. Ah, j'aurais pu soigner. On va bientôt faire un niveau. Ouh. Je ne comprends pas. Donc ça permet de faire sortir une plateforme. Il arrive à le mettre là. Mais je peux pas. On va aller à droite d'abord. Ah.
Oui. Vous avez trouvé clé de jardin. D'accord. C'est pas possible! Ah, ok, petit carré, ça. Le bloc. Ok. Et on peut insérer la clé du jardin. Bah, qu'est-ce que c'est que cette énigme encore ? Il faut le mettre là en premier. Et donc, des lutins du Père Noël qui travaillent. Oh, voyageur, voudriez-vous jeter un œil à mes marchandises? Alors, trancheuse en bambou. En bambou, ouais. Oui, mais j'ai plus d'argent! Oui, ça ira.
J'ai hâte de voir leur tête. Oh, des visiteurs. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Garl. Et voici mes amis Zay, Valère, Serai et Shreshan. Bonjour à tous, moi c'est Kael. Je ne veux pas me montrer impoli, mais... Tu es humain ? Plutôt ridé pour un enfant, hein ? C'est parce que mes amis et moi-même avons 10 ans. Depuis très longtemps. Comment ça ? Le temps ? Eh bien quoi ? Il ne s'écoule pas à l'intérieur de ce château. Ou plutôt, il ne s'écoule pas à l'intérieur des corps ou de ses habitants. On ne peut pas mourir de cause naturelle, mais on doit rester ici pour toujours. On vit dans cette prison temporelle depuis des siècles. Si on partait, on vieillirait instantanément et on mourrait. Voilà en gros. Oh waouh, c'est triste. Ça va, on se plaît ici. Et puis, on restera des enfants pour toujours. C'est cool, non? Même si fabriquer des machines pour les méchants n'est pas ce qu'on peut faire. C'est toujours mieux que l'autre alternative. Et c'est quoi l'alternative? Demandez à l'assassine. Bref, qu'est-ce qui vous amène ici? Nous sommes venus affronter les acolytes et éliminer l'hôte du conflit. Ah oui? Pour ça, vous devriez passer par cette grande porte qui mène à la salle du rituel. Et pour ça, vous devriez récupérer le pass de l'horlogère tout en haut de la tour de l'horloge. Et pour ça, vous devriez briser le sceau magique sur la porte menant à la tour de l'horloge. Alors, vous n'avez aucune chance. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez affronter un autre? Zayn et Valère sont des guerriers du solstice. Vraiment? Prouvez-le. Apportez la nuit. Regardez ça. Waouh! Incroyable! Vous avez vu? Zayl, c'est bien ça? Viens ici, s'il te plaît. Touche ce cristal avec ta paume, tu veux bien? Ça a marché! Kael, tu es un génie! C'était quoi ça? La preuve que la magie d'éclipse peut être catalysée. Les implications sont exceptionnelles. Ça veut dire que tu peux nous aider? Oui, cette expérience change tout. Nous avons un appareil qui peut vous aider contre l'hôte du conflit. Vous pouvez entrer dans la tour de l'horloge maintenant. Vous avez juste à récupérer le pass pendant que nous terminons nos préparatifs. Les acolytes vont être sacrément surpris, haha. C'était trop cool! J'aimerais tellement contrôler la lumière moi aussi. Essayons. Allez, il faut qu'on termine de préparer l'appareil avant leur retour. Le truc avec nous, Kael. Ah ah, d'accord, mais juste un peu. Ça reste des enfants. Alors, il faut monter au sommet de tout ça. C'est trop lent. Monter ou descendre? Faut monter.
Œil persistante. Qu'est-ce que ça fait ceci? PV max plus 30. Voilà, faire ce combat en boucle, ça serait génial, mais bon, faut sortir du donjon complet. Alors, on a trois plateformes. Et j'ai pas attaqué le bon. Il est pas mort. Non, ça fera pas assez de dégâts. Ça, ça fait quoi? Ok. Ça, on va y aller, c'est enfermé. Ok. Il y a un coffre con à récupérer. Ici, il y a un bloc avec une échelle.
Ok. Feuille bleue. Ça servait juste à ça. Ah bah je pouvais pas revenir je pense. Ok. Vous l'horloger? Écoutez, il nous faut votre passeport. Quoi que vous ayez besoin, je ne prendrai part à aucun conflit. C'est votre passe? Comme c'est étrange qu'il ait apparu comme ça. Vous voulez dire que nous pouvons le prendre ? Je ne fais que souligner l'étrangeté de ce qui vient d'arriver. J'ai du travail qui m'attend. Vous avez obtenu le pass. Oh, on peut jouer en machine à roulette. On devrait s'assurer que Kael est prêt. Vous avez récupéré le pass? Oui. Parfait, la porte se trouve juste là. Pendant que vous vous occupez des acolytes, on sortira discrètement l'appareil de la salle du rituel. Il a été conçu il y a bien longtemps pour la seconde tour, alors vous devrez trouver un moyen d'attirer l'autre là-bas. Ça a l'air risqué, mais je suis sûr qu'on y arrivera. Une fois que vous l'aurez vu en action, vous ne le regretterez pas. Tu es sûr que ça marchera? Maintenant qu'on a la preuve que la magie d'Eclipse peut être catalysée, absolument. Ok, on a un plan. Je passe. Vous êtes un peu en avance, j'en ai peur. Bien. L'hôte du conflit n'est pas encore prêt à jouer. Il va voir ce qu'il va voir. Vous ferez mieux de vous écarter. Ah ah ah, c'est courageux de votre part de croire que vous pourrez nous vaincre tous les quatre. Courageux et illusoire aussi. Quel, où tu crois aller comme ça? Retourne tout de suite à ton atelier. Un plus gros problème vous attend, bande de détraqués. 3. C'est parti. Bon, ça va être compliqué, surtout que j'ai pas de vie. Et j'ai pas vu s'il y avait un feu pour se reposer, donc au pire on perd le combat, puis on reprend tout. Objet. C'est une bonne chose de commencer avec ça.
Alors, lui, c'est celui qu'il faut éliminer le plus vite possible. C'est lui qui fait le plus mal. Mais là, on va se prendre une grosse attaque dans la gueule, donc... on va au moins s'assurer qu'elle fasse moins mal. Et on va blesser tout le monde. Ce qui serait intéressant, c'est de faire des orientations sur lui. Lui de déluge du venin. Zut, j'en ai raté un. Attaquer lui. Seul, super. Salvatrice.
Chop. Débarrasser du plus chien. C'est un tour ça. Pas l'indice. Deux qui tombent, non, juste un. Ça fuit toujours un petit peu en retard. Hein. Vaincre les acolytes. 13 000 d'XP, bah dis donc. Niveau supérieur et point de vie. Point de mana. Défense physique, point de mana. Voilà. Défense physique. Attaque physique. Yeah, espèce de... Enfin, il est réveillé. Réveillé, furieux aussi. Vite, si on se met à courir, on aura peut-être la chance. Courir, haha. L'autre sent votre odeur, c'est trop tard, vous pour vous cacher. C'est exactement sur quoi on se compte. Imbécile, droit dans le ventre de la bête. Ok, bah avant de passer à l'hôte du conflit, en espérant que ce n'est pas déjà le dernier boss, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Alors j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer, n'hésite pas à mettre un commentaire, partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné à la chaîne, je te remercie grandement de ta fidélité. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.